Donc, salut Twitch, salut YouTube, parce que oui, cette vidéo sera rediffusée sur YouTube. Donc, salut les gens, je sais pas qui est sur le chat. Je sais pas, il y a Tony qui était connecté. Salut Tony. Rana Scotch qui était connecté aussi. Salut Arna. Rana Sco, voilà, si vous voulez. Et Serge, il est toujours là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Donc bien sûr, comme vous avez entendu, je suis accompagné de Romano et du Geek Player qui va m'accompagner durant ce live spécial Halloween. Donc à la base, je voulais faire Doom 3, Cry of Fear et Killing Floor, mais bon, mon Killing Floor plante, donc c'est pas très intéressant pour vous. J'ai un peu diminué le son du jeu parce qu'il est super fort. Voilà. Et Killing Floor, bah je sais pas si dans le chat ce qu'il y a à Killing Floor. Faut qu'on fasse une partie ensemble. Ouais. Est-ce que le son du jeu va? Est-ce qu'on on entend bien Geekplayer et Romano? Et ma voix surtout, c'est important. Attends, je vais dire ça tout de suite, mais... C'est moi. Ah. J'entends bien ta voix. J'entends enfin le son du jeu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Après quelques galères, on arrive quoi. Ah, moi le problème c'est que je peux pas te dire grand chose puisqu'en fait ouais. Moi ça coupe tout le temps donc c'est vrai que c'est pareil chez moi, ça lag, ça cale, ça coupe tout le temps. Mais on s'entend, le son va nickel, ça c'est clair. Le son va nickel. Ah non, Serge est parti. Bon bah vacances. Il nous dit salut. Salut. Donc je vais commencer donc Doom 3 en mode Marines. Pas vétéran parce que je suis pas fou et l'autre mode de difficulté je l'ai pas débloqué. Ouais. Bah tiens, on va lancer un débat qu'on avait lancé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du film Doom? On avait déjà commencé le débat au premier test du live. Moi, j'y reviens plus, donc démerde-toi. Ouais, mais par en contre, fait, j'ai pas le jeu, ça va être... Attends, j'ai juste une question à Tony. Est-ce que chez toi, le live saccade? Est-ce que tu vois le jeu bouger FPS par FPS? Si tu sais nous le dire, parce que moi, je vois le live bouger vraiment... Il est pas fluide, quoi, voilà. Si tu nous le dis, s'il est fluide ou pas. Serait gentil. T'as combien d'images par seconde dans ton encodage? Ouais, j'ai laissé à 30. T'as mis combien d'images par seconde? J'ai laissé à 30 par défaut. Ouais, moi je mets à 25, mais ça change pas grand chose. Et j'ai fait dans le menu, ça glissait bien. J'ai fait un speed test pour régler mes bitrates et normalement j'ai mis un peu moins que par rapport à ce qu'il m'avait conseillé. Oui. Bon, apparemment, Tony dit que ça va bien, que le live a l'air d'aller bien chez lui, donc à mon avis, ça vient chez moi et chez toi, Rota aussi. À la limite, moi je sais que la version du téléphone de Twitch, des fois, marche mieux que je suis sur ordi, ce qui est totalement débile. Je vais essayer d'aller voir. Ah bah, moi je pense pas que j'ai un GSM assez puissant pour ça. Après, après t'es sur Skype en même temps, mais avec ta connexion tu te vois pas votre problème. Bah là normalement je vais dire ça va moins laguer, enfin ça va moins laguer parce que là je suis juste à côté de mon modem. Donc par rapport à tout à l'heure quand j'ai fait mon live vers 14h, là j'étais dans ma chambre et donc ça passait pas très bien quoi. Tout à fait. Est-ce que j'arrive déjà à lancer le truc? Encore la cinématique. Ah ouais. Bah Arna est re là. Re Arna. Bah re Arna, voilà. Donc en tout on est, alors si on se compte pas, dit le Favik, moi et Ro, vous êtes deux. Ah bah moi j'ai pas, je pense pas que j'ai Alors le son est bon mais ça cade. De mon côté. J'allais dire après t'es sur Skype en même temps mais avec tes connexions. Le son est bon quoi. Si tu rates la résolution, est-ce que ça va changer quelque chose? Ah, je peux pas. Je peux pas la changer la résolution, il faut que tu aies mis 100 spectateurs pour débloquer l'option et après si tu veux l'option pour tout le temps il faut avoir 300 abonnés qui viennent te voir tous les jours. Enfin un truc comme ça c'est un peu compliqué donc je peux pas le changer du tout. Je suis obligé de prendre l'impôt de ton truc donc si t'as un gros bitrate moi je suis pas. Surtout que je suis chez Free alors c'est encore pire.
Parce que là j'ai quand même réglé à 20 000, donc c'est vraiment le truc qui m'a été conseillé par Beastest, donc... Vic, il y a Arnaque qui dit que chez lui ça lagouille un peu aussi, donc à mon avis le problème de saccadement ça vient de chez toi en gros. Je pense qu'il y a quelque chose qui merde. Bon, attends, je vais vite régler ça. Je vais juste attendre. Ah, il y a Tony qui demande si le live va commencer. Oui, il a commencé depuis au moins 5 minutes. Il y a 5 minutes, oui. Tony. Et il a pas d'image en fait, celui c'est encore plus foireux que chez nous en fait. Attends, je vais juste vite régler paramètres. On va faire un carton chez TF1, tu vas voir. Ouais, donc c'est aussi c'est le premier live de Vic, donc c'est logique que ça merde en fait. Simplement. Faut toujours faire les premiers lives sur des émulateurs pour commencer. Ouais, c'est pas con ça. Si tu veux faire un jeu qui fait un peu peur, tu fais genre Clock Tower. Voilà, normalement. Super NES. Non, déjà j'ai réglé la fluidité. Silent Hill sur PS1. System. Silent Hill sur PS1 émulateur. Là, si ça lag, c'est pas grave. On va dire que c'est dans le jeu. Même si c'est le live qui dit que ça lag, c'est le jeu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. Donc, bah, c'est parti. Nous, on voit toujours saccader. Pourtant, j'ai diminué le bitrate. Donc, Tony, je te conseille de relancer. De rafraîchir la page. Ouais. Ah, ça va. Légèrement mieux, mais quand je te dis légèrement mieux, c'est que ça longueille, ça saccade un peu moins en fait. Je sais pas refaire ce que t'as fait, c'est plus fort. Ça saccade un peu moins. On va y arriver les gens. Là, ça, ouais, bon, surtout c'est mon premier live, donc je suis pas encore habitué à ce niveau-là, donc voilà. Ah, ça saccade assez. Bon, bah, on y va. C'est peut-être le live. Pour nous aider à atteindre cet objectif, nous vous demandons de toujours respecter les procédures. Bienvenue sur Mars. La dernière fois, vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord. Nous devons d'abord. Est-ce que ça va mieux? Voici votre assistant numérique personnel. Ouais, pour te dire que moi, le live se coupe toutes les 2 secondes. Je sais pas pourquoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'en gros, quand même, dites que le jeu, il saccade, c'est une chose, parce que c'est. Bon, c'est pas grave, et même ta webcam, quoi. Oui, mais c'est en fait, c'est la capture qui fait ça. C'est la capture qui fait ça, c'est ce que je. Faut expérimenter, effectivement. On a dit, il faut expérimenter. Donc, touche un peu ton clavier. Oh, c'est sensuel. De toute façon, par contre, OBS pour savoir si t'es bien ou pas en termes de. On va dire si parce que ça peut laguer parce que par exemple ta connexion elle tient pas le coup et tout. C'est écrit en bas à droite du programme. Attends, je vais faire commencer streaming même si je vais pas faire de streaming. Ouais, en bas à droite d'OBS c'est écrit si ta connexion est bonne ou pas. Bah là, je vais en fait, c'est le petit carré là. Bah ça fait des couleurs hein, soit vert, ouais. Soit orange, soit rouge. Moi, c'est rouge, orange. Ah bah. C'est orange, c'est peut-être pour ça. Donc ça veut dire que ta connexion, là, elle prend trop cher, faudrait baisser un peu. C'est peut-être pour ça que ça lag. C'est que t'as des pertes d'images, normalement il y a écrit pourcentage d'images perdues. Quand t'es dans l'orange-rouge, tu perds des images et en général c'est que tu lags. Ou que tu perds que ça saccade. Bon, donc faudrait baisser la qualité. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon câble, je vais me brancher directement à mon modem pour avoir une connexion au mieux. On va voir si c'est mieux ou pas. Alors Arna a répondu à ma petite blague sur les attouchements de clavier. Bon, attendez les gars, j'arrive, j'ai juste branché. On va quand même une meilleure connexion à ce niveau-là. Mon premier live, c'était sur quoi? Putain, c'est sur live stream, c'est super, mais qu'est-ce que j'avais fait en premier? Ah, putain, là je suis dans le vert, c'est bon. Ah, on va voir si ça tourne mieux. Donc, les gens, donc on a réglé ce problème, donc j'ai mis le câble. Et là, ça passe beaucoup mieux, normalement. Là, je suis dans le vert. Normalement, ça devrait être plus fluide pour vous, en tout cas. Faut espérer. Ouais, je croise les doigts.
Donc on est que 3 sur le truc, donc Vic, tu n'es plus sur ton autre PC. Alors, avec... non, c'est ça. Non, donc il y a moi, Yaro et Erna. Donc, c'est ça, ça marche nickel. Et voilà, c'était le même image. Ouais, bah j'ai mis le cap, c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Bon, faut, comme dire Arna, faut expérimenter les choses, quoi. Le conseil ne connaît rien à la science. Ah, est-ce que t'as le gel son? Oui, là ça va nettement mieux. Hein. Avec un bon produit. Ouais, on entend un peu le son. Ouais. Alors, le, vous voulez que je remonte le son du jeu ou pas? Dites-moi, docteur, et toi? Pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse? Ouais, faudrait. Merde, légèrement un petit peu l'augmenter, ouais. Ok, système. Bah, légèrement. Donc, on va la solution. Après avoir aidé Geek Player, maintenant j'ai dit, voilà. Non, ouais, voilà, normalement. Vous entendez mieux. Enfin, je sais bien qu'il y a un délai, mais bon. Moi j'ai coupé le son. Il faut attendre un peu, ouais. On va aller par là. Excusez-moi. Ça, par contre, je trouve totalement raciste. C'est bon, quoi qui est totalement raciste? Le gars, écoute. Bah non, tu vas l'entendre, il va faire « Excusez-moi !» Le truc que vraiment surstipé à mort, quoi. Je sais pas, moi je mets pas le son. Hein. Ouais, j'ai pas le son. Moi t'es dans un couloir chez moi. Ah, c'est pas le mec là, d'accord. Ah oui, totalement raciste, le Washington. Bon, là, je joue à la bande d'arcade, hein, on doit tuer des dindons. C'est peut-être pour Thanksgiving, je ne sais pas. Ils sont un peu. Enfin, c'est Thanksgiving, c'est passé, non? C'est quoi? Thanksgiving, c'est passé? Bah oui, enfin, c'est pas encore, hein. C'est. Normalement, c'est pas au mois de novembre, fin novembre, un truc comme ça. Ah, bouche! Mais Thanksgiving, c'est le mot pour Noël chez les Anglais, hein. C'est pas ça? C'est les Américains. Oui, c'est les Anglais, c'est la même chose. Enfin, non, c'est vrai. Oh, tu vas dire c'est un Américain, ça, moi. Oh putain! Oh, t'es mort, à ma vie, là, t'es dans une décharge et tout, t'es mort. On met un truc sans les pieds, tu tombes, tu vas dans l'eau. Alors, Tarna qui dit ce défonçage de poulet. Non, mais tu es. Vic, tu es défonçage de poulet de père en fils, de fils en fils et de père en père. Comment tu sais? Merde, on a découvert mon métier secret, quoi. Défonçage de poulet. Bah, c'est ton métier sur Minecraft, c'est bon? Le seul moyen de s'y rendre. Attends. Jure, si on fait. Si je trouve un admin pour le projet de Minecraft que je t'ai expliqué, je te jure, la première chose que je fais, je prends ta maison et je te mets 50 millions de poulets. Lorsque vous le trouverez, j'aurai une épée et tu m'entendras crier dans si tu fais un lec, tu m'entendras crier comme un ouf dans ton life. Ouverture d'un KFC, ouverture d'un KFC. En fait, ce que tu vas entendre, au bout d'un moment, tu vas entendre les cotes, et puis quoi, tu vas entendre les cotes. Il y a des nuggets. C'est ça, comme ça, t'auras plus de problème de bouffe. Projet Minecraft. Ah oui, Arna. Bah, moi, j'ai décidé de faire un projet Minecraft, c'est de faire un serveur, tout simplement, et de. Un serveur modé, filmé, et. Enfin, filmé en une sorte de série sur YouTube. Et donc, il me faut 20 personnes pour ça. Comme ça, 20, pas obligé, quand on est une dizaine, ça devrait être suffisant. Et en fait, chaque personnage aura un métier qu'ils découvriront juste une heure avant le lancement du serveur. Et un objectif qu'ils devront accomplir aussi. Et après, sinon, c'est du Minecraft classique. Putain, il y a un monstre. C'est du Minecraft classique, c'est aller miner, tout ça. Enfin, mais modé. Bien sûr, c'est pas non plus à des modes style comme à la Feed the Patrick, quand on a 40 millions. J'en mettrais peut-être une trentaine, mais pour ça, en fait, il me faut un admin. Enfin, il faut quelqu'un qui s'y connaît assez fort en serveur Minecraft et en mode pour pouvoir faire ça, parce que moi, je ne sais pas du tout le faire. En gros, il veut que les gens fassent tout pour lui, quoi. Voilà. C'est pas ça. C'est que voilà, j'ai pas les compétences pour faire ça. C'est tout. Bien donc, sûr. Pour lancer le serveur, bien sûr, pour lancer le serveur, ben moi et l'admin, ils iront. Ça a l'air intéressant. Ah bah merci. Bah écoute, si tu es intéressé, voilà, ça nous fera une quatrième personne, ce sera super. Remplis les papiers. Et... C'est ça, je remplis. Mais tu sais que j'ai vraiment fait une liste avec les trucs que j'ai mis dedans, donc voilà. Bon, pour l'instant, il y a moi, Vic, Johan. Johan, j'étais, tu sais qui, enfin. Et c'est tout. Ah bah si, Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse. Ah bah, donne-moi mon armure et de parler.
Okay, bah ça va, on avait... Ok, Bab. On parlera. Vous êtes prêts au combat. Si tu es intéressé, bah c'est sympathique. Cool. Super. Bon, si on doit attendre, hein, parce que les gars doivent parler. 5, vérification. Donc, oui, tu dois sauter. On saute. Tu dois avoir ton armure à la Half-Life. Ouais. Donc je saute comme un kangourou attendant. De communication. Kangoo, oh putain, tu m'as donné une putain de. Tu m'as donné une putain de vieille série dégueulasse sur des kangourous. C'est des kangourous qui jouent au basket. Ouais, trop bien. Trop bien ce dessin animé. Par contre, j'aime bien ici faire ceci. J'aime bien foutre la merde. Faire ça, voilà. J'adore faire ça. Moi, je m'imagine bien le mec qui est derrière la vitre là, qui dit mais qu'est-ce qu'il me pousse là, pourquoi il saute partout. Non, tu vas voir. Ici, j'aime bien aussi. Vous allez voir un moment, il y a des gars qui est caché derrière des caisses. La première fois, il m'a fait flipper ce mec. Vous voyez non, rien. Ok, je recule alors. Ah ok, voilà les caisses. Ah oui, d'accord. Quand tu t'y attends pas, ouais, d'accord. Ouais, la première fois, je vous dis que j'ai flippé. D'ailleurs, il est mort. J'appuie sur la gâchette, bon. D'ailleurs, j'ai tiré dessus. Je crois que la première fois, j'ai tiré dessus, tellement j'ai eu peur. Bouh! J'adore faire ça. J'avais trop peur de ce jeu, c'est celui-là que j'avais, ouais. J'avais flippé, j'avais arrêté. J'suis trop petit. Bah écoute, c'est pas non plus un des jeux les plus heureux. D'ailleurs, sur Amnesia, j'ai pas eu encore peur. Putain, j'arrête de me spoiler moi-même, je suis en train de me auto-spoil mon mon spécial loot qui est encore pas sorti. Bon, le début, je connais, donc c'est pour ça que je vais vite. Hein. De toute façon, c'est juste blablabla. On veut de l'action, nous, nos deux dieux. En gros, on va sauver le monde, et faites pas chier. Voilà, c'est ça. Et là, on est dehors. On est sur Mars. Oups, j'ai tiré. Ah, y a un jeu que j'aimais bien aussi. Quand tu parles de Mars, en fait, c'est Red Faction Guerrilla. Ah oui, ouais. Ça. Et il me fait. Par contre, j'ai pas aimé du tout Red Faction Armageddon. Hein. Ils ont passé du mode, on va dire, monde ouvert à un monde fermé. Bon, ce qui est sympa, c'est le canon poney. Le canon licorne plutôt. Tiens, je sais pas qui a dit qu'il n'y a pas de Militate Space. Oui, parce que ça va, je ne vois pas le chat, je vois juste un tout petit bout de chat, donc... Oui. C'est dégueulasse, espèce de dégueulasse. Je vois un petit bout de chat, c'est dégueulasse, dit comme ça, quand même. Je dis ça, je dis rien. Il y a... C'est quand même dégueulasse. Il y a... Attendez, les mecs. Il y a une bouche. S'il vous plaît, oui, Yannouche, un autre vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir, Salami. Il est encore temps. Je ne veux pas laisser ce... Il y a un délire avec Salami. Parce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Salami, tu existes. Salami. Je le sais. J'ai construit sa cage. Il faut savoir que moi j'ai fini Space 1 et j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu quoi, j'ai terminé quand même. J'étais quand même dans les conditions, donc c'est-à-dire soit à fond et dans le noir. Ah bah écoute, moi j'ai fini d'Espace 1, d'Espace 2, je peux encore acheter d'Espace 3. Est-ce que c'est raciste ou un chinois? Ça dépend. Qui a un démon, qui devient un démon. Plutôt un zombie plutôt. Je dirais plutôt que ça aurait été raciste si c'était un noir qui devait buter en premier temps. Comme dans les films d'horreur, c'est toujours le noir qui meurt. J'ai un lag là. Ouais. Putain, il y a des pentagrammes du démoniaque qui sont encore. Une boule de feu qui vient de passer. Ah donc il y a toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Ah oui, voilà encore une boule de feu, il est en train de poser. Ah, mais même pas une boule de feu, c'est un crâne. C'est fou comme ça marche bien le live d'un coup. Parce que même moi, bon, tu me diras quand il est tard à minuit comme ça, normalement, free, il bride pas trop. En plus, il y avait un chinois juste avant, donc bridé chinois, tout va bien. franchement, c'est bien. C'était monsieur jeu de mots. Pardon. Ah bah non, mais je vais pas arrêter, vu l'heure qu'il est. J'ai pas fait exprès celui-là en plus. Bon, pour mon premier live à moi, bah aussi je vais t'inviter, comme ça il y aura du monde. Équipe bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. C'est de devoir le tuer de son froid alors qu'il est toujours humain. De quoi, j'ai pas compris.
Y'a un mec qui dit qui serait raciste, c'est de devoir tuer le mec qui se, de son froid s'il est toujours humain en fait. Ah voilà. Je suis le mec. Raciste. Ouais, j'avoue. Ici il y a des munitions. Oui, ouais. J'ai une bonne mémoire. C'est vrai, ils sont 3 milliards donc. C'est une. Et moi, pardon. J'ai les Chinois, c'est plus peuplé, donc c'est vrai que. Par contre, je vais peut-être un peu diminuer le son du jeu. Mec, il s'est fait écraser, il est vu en squelette, le type. Par contre, j'ai un peu diminué le son du jeu parce que chez moi, il va super fort et j'entends plus ce que dit Player et Romano. C'est assez dérangeant. Moi, je dis pas grand chose, des conneries, donc c'est pas très grave. Hein. Le gars, il s'est fait écraser, quoi. Bah oui, je viens de le voir ce moment maintenant parce que moi. vu que moi je regarde le live en même temps, donc il y a un décalage de. Ah ouais, bon, il nous spoil son live. Quelques minutes. Ça s'appelle le délai. Ouais, ouais. Ça, c'est un délai. Mais oui, dans tous les lives. Poste de commandement à toutes les unités. Il paraît que normalement il serait capable de pas faire de délai Twitch. Mais que ça plomberait trop les serveurs. Oh, tu m'étonnes, putain. Bah, t'auras toujours un délai, t'es obligé parce que t'es obligé d'encoder la vidéo pour qu'elle passe. Enfin, oh, je m'attendais pas à avoir quelqu'un là en fait. Ah, si tu connais le jeu, c'est pas marrant. On doit ouais, pas après, je connais pas. Et quoi, t'as jamais fait Doom 3? Si, mais il y a longtemps donc je me rappelle plus du tout. Je me souviens qu'on l'avait fait tous ensemble avec avec Pierre. Oh putain, j'ai flippé, putain. Le con, j'ai cherché. Pourtant c'est con parce que le mec il est pas apparu d'un coup, il a fait genre une araignée, il a fait une grand pas vers l'avant. Le mec il vient seulement d'apparaître quoi. Lui par contre il m'a fait flipper. Il y a un crâne qui vient d'arriver là, chez moi. Par contre quelle touche pour s'abaisser. Voilà c'est. J'en sais rien du tout, j'ai. Non c'est. Je peux pas passer. La seule fois que j'ai joué à Doom c'est avec toi en coopération. Oh, t'as y a un crâne qui vient de passer là. Soit comment se baisser, tu sais que c'est soit la lettre B, soit la lettre C. Ça ouais, mais c'est, j'ai trouvé tout de suite, t'inquiète pas. J'allais faire un jeu de mots avec BC, mais. Un jeu de mots dégueulasse. On charge parce que j'aime pas ce moment! J'aime bien, c'est la différence, enfin le décalage, ce que ça fait comme différence. Le mec il est devant une porte, j'ai ce moment! Devant une porte, quoi, tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Chez moi il est en train de taper un code sur une espèce de ouais, terminal. Mais vous allez vite comprendre pourquoi je sursaute en fait. Ah, oh, il y a un petit zombie. Ah oui, d'accord, t'as sauté le petit zombie qui vient de loin, voilà. Voilà, bon, tout ça je m'attendais, donc du coup, ça va. Bam, 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 bam. Pour ceux qui connaissent pas Vicklin, c'est le beau gosse de Belgique. C'est comme ça qu'on l'appelle le chat. Je crois que c'était Monsieur X qui m'avait nommé comme ça. Hein. Je crois, ouais. Oh, t'as un pompon. Pompompe. T'as un pompon. Ouais, ouais. Là, je dis un badass, quoi. Ouais, bah écoute, le pompon, il te faut quand même 3 coups pour tuer un zombie, donc il est un peu en mousse ton pompe. Bah, entre 3 munitions de pompe et 20 balles de pistolet, bon, au bout d'un moment, en termes d'économie de balles, bon. On reprend voilà. le pistolet. On aurait utilisé une jambe de zombie pour voir comme ça. Oui, ça marche aussi. Si, le coup du. La lampe torche, ça marche. Ah non, moi je pensais que. On est en décalage, hein, geek. Hein. Oui, tu peux mettre en tête que tu pourras pas voir. En plus, ça faisait bien parce que quand t'as dit ça, en fait, quand t'as dit où ça marche comme ça, tu explosais les tombeaux. Wow. Oh, la lampe torche qui est plus puissante qu'un fusil à pompe. C'est moi. Par contre, j'ai fait une. Oh non, 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 non. Pas l'UMP. Tiens, fous-lui du mandal. Ah non, il se fait démonter là. L'UMP, pourquoi il y a un parti de France qui t'attaque. Le parti de ce qui s'appelle l'UMP. C'est le nom du monstre. C'est le nom du monstre dans Doom 1 en fait. T'as la partie droite de. Une partie politique de droite dans le jeu. Ah c'est ça. Crevé. Ça on dirait un liqueur de. Sans la langue de Resident Evil. Resident Evil. Greg, t'as une Evil. Faudrait bien être d'avis par contre. Faudrait bien être d'avis.
Il y a Yohan GT. Yohan, il faudrait qu'on se fasse un 1v1 en League, sur League of Legends. J'ai un perso à tester sur toi. Hey Yohan. Salut. Bon. Waouh, c'est qui me bute? Ah, Yohan, on a peut-être un quatrième membre sur le projet serveur. Bon, bah, les gars, je suis mort. On va voir ça, on va voir ça. Points de vie. Je suis fait pris en game bank, c'était violent. Oh mon dieu, c'est pas un sextape. Où sont les meufs? Ouais, il m'a crémé le cul, c'est, je crois que c'était IMP. Mais c'est j'avoue, t'es tranquille là et tu te fais attaquer par un qui apparaît, mais tu sais pas par où. Oui, c'est sûr. Deuxième, pardon. Bah en fait, il y a deux. Avant de te retourner, il y avait personne. Au moment où tu t'es retourné, le jeu l'a fait, allez, j'apparais. Ah, t'es fait dégommer littéralement. Oh non, on peut, je recommence de là, c'est une blague. T'es à quel niveau? Normal? Normal, oui. Nous, on est au moment où tu viens de crever, en fait. Donc t'as le chargement. Le jeu qui est aussi dur que Dark Souls. C'est juste en fait que je fais pas attention, okay, que je suis trop bourrin. Donc, yeah. En même temps, Yohan, vous faites bourrin, quoi. Oui, j'ai vu. Ouais, Yohan qui dit, ouais, d'accord pour lundi, à mon retour des vacances. Lundi, wesh. Par contre, les mecs, faudrait se donner une date pour comment, pour continuer l'esprit de Borderlands. Hein. Complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement. Dans un point l'incart, ça te va ou pas? Le cinquième jeudi du mois, c'est ça? Ouais. Ou le 31 février aussi. Mais le pire, tu dis ça, mais si le premier jeudi du mois tombe le 1, t'en as 5, hein, dans la semaine. Oui, c'est ça le pire. C'est que ça peut tomber, ça peut tomber. Le truc est quasiment improbable à tomber, mais c'est possible. Ou 31 janvier. Je dis ça le premier, que t'es 31 jours, c'est bon, ça passe. Hein. Le 31 février, oui, pourquoi pas. Voilà, exactement, par contre. Bah, par exemple. Attends 4 ans alors. Bah voilà, l'épisode 13, vous l'aurez dans 4 ans. Non, allez, il faut vraiment. Surtout, le 31 janvier, ça n'existe pas, même. Hein. Ouais, je sais. Non, j'ai dit 31 février. Janvier, ça existe, c'est le février. 31 février, oui, mais bon, il est tard, je suis fatigué, nous, de dire. Que ce soit le 30 ou le 31, ça n'existe pas. Ce sont des années, c'est des années bisextiles, c'est ça? Qui se passent, ouais, tous les 4 ans. Ouais, bisexuel, ouais. Tous les 4 ans. Il y a, je sais pas s'il y a un 31, mais un 30, je pense qu'il y a tous les 4 ans. Ah, ouais, blablabla, bla, bla, tu vas me parler, j'en ai rien à foutre, moi je me casse. Le mec, il se fait bouffer dans son truc. Le jeu me fait penser à Time Shift, c'est bon. J'en sais rien, moi. Ah, Time Shift, mais pourquoi je tiens à chaque fois ici? Pourquoi à chaque fois touche? Il me fait un peu penser à Half-Life aussi. Oui, aussi. Après Doom, Half-Life, je pense que c'est. Ouais. Entre eux, il y a eu beaucoup de copies de chaque côté pour faire les meilleurs trucs. J'ai recommencé depuis le début. Bah ouais, c'est dégueulasse. Remboursé, quoi. Allez. C'est le sergent Kelly. Des années, Emma. Fuyez votre zone et ramenez vos presses à Marché T. Terminé. J'ai dû la sortir celle-là. Des années hermaphrodite, t'as pu t'empêcher de sortir celle-là. Bah non, quand je remarquais Bill, après. Voilà quoi, c'est un réflexe. Ah bon, mais quand coup, t'étais pas là quand j'ai parlé. Oui, excuse-moi. Oui, oui. Non, je disais juste à Yann, il était pas là quand après on est vu un chinois, j'ai dit que ma connexion elle était bridée. Il était pas là quand j'ai dit, hein. Bah, du coup, tu pourras leur sortir parce que je suis devant un chinois. Ah! Yann, t'auras la rediffusion de ce que a dit Euro. T'as de la chance, petit vénard! Blague raciste. Blague raciste. Bon, t'auras un point Goldby. D'habitude, c'est les noirs qui meurent en premier, pourquoi là c'est un. Par contre, si tu nous fais. Changer un peu les choses, quoi. Tu nous fais une blague sur les. Si tu nous fais une blague sur les Allemands, bah là t'as un point Goldwyn. Mais je pense que le point Goldwyn ça marche sur tous les blagues racistes, je crois. Ou ça marche que sur les blagues sur Hitler en fait. Bon, en fait ça marche en fait par rapport. Ça dépend des gens en fait. Y'a des gens qui vont te dire non, ça marche qu'avec quel truc, d'autres te dire non, tant que ça. Bon, en tout cas, j'en suis sûr, hein, 100%, c'est que si tu fais une blague sur Hitler, bah ça marche, une blague, ça marche. Bon, les gars, vous avez rien vu, j'ai fait un fail, vous avez rien vu. Bah écoute, non, on l'a pas encore vu. On l'a surtout pas encore vu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais rentrer dans l'ascenseur, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc du coup, j'ai foncé dans l'ascenseur. Ouais, donc t'es comme un grand con. Ah, ascenseur. Oh, ma tête, pourquoi j'ai mal à la tête? En même temps, je vais faire un test parce qu'on a déjà vu cette séquence là, donc du coup, j'essaie d'aller le plus vite possible. J'aurais dû dire, t'inquiète, je le mettrai dans le fichier Lego aussi de mon poste. Mince, moi je me suis toujours posé la question. Deuxième fait, les Chinois, est-ce qu'ils.
Les Chinois, est-ce qu'ils voyaient en 16/9e? Oh non, t'es pas sérieux. Si, je suis sérieux. Celle-là, elle est débile. Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort. Oh mon dieu. Oh, j'en peux plus. J'ai éclaté mon rein. C'est mon fils. Équipe faillante au poste de commandement. Des comparaisons à Hitler dans un des mecs qui n'a rien à voir. Ok, bah. Je sais pas. On va prendre l'émission. Oui, des cons. Ah, et Yanouche qui est là. Mais oui, mais il était dur. Joyeux Halloween à tous. Bah, joyeux Halloween. Donc, joyeux Halloween. Même si c'était hier. Purée, j'ai oublié celui-là.